J'aime toujours dire avec un paquet de monde, vidéo en soi, les vignes ont bagaille qui presque essentiel dans la vie de chaque monde pour le moment. Ou pas besoin de monter, ça capable c'est une vidéo famille qui a fait, capable c'est une vidéo à faire juste pour distraire ou t'as en vacances, et puis ou besoin de faire une petite vidéo, besoin de partager avec les amis, mais on peut obliger à le monter le son logiciel qui a mis le logo là-dedans, et on peut obliger à le payer au monde tout pour faire le pour. Donc c'est un bagage qui est très important pour nous, et capable d'apprendre à faire montage vidéo, même si nous ne pouvons pas l'utiliser comme métier, mais il est important pour nous d'avoir une connaissance de lui. Ma pour exemple qui est très bizarre, toujours prends c'est même genre avec dactylographie. Longtemps, en pile endroit pour te travailler, faut que tu obligé faire dactylographie. Mais qu'on y a, qu'on paquette endroit pour travailler là-dedans, faut qu'on fasse informatique. Donc, informatique, il vient faire partie intégrale de mon travail. C'est même, j'aime penser que dans l'année qu'on a vidéo, peut-être dans 10, 15, 20 ans, peut-être que vidéo pour le vignon, bagaille qui est essentiel pour demander pour qu'on fasse vidéo. Parce que vidéo, en quelque sorte, la vini de jour en jour, y a un outil de marketing, y a un outil de travail qui pour le vignon, puis essentiel dans la vie de chaque monde. Donc, il est important pour qu'on fasse montage vidéo. Pour comment un logiciel de montage fonctionne. Je dis pour parler de comment capable porter une transition dans une vidéo et dans une image. Et dans la dernière vidéo, on a fait un montage comment pouvoir ajouter son dans musique là, dans une vidéo. Je dis pour montrer comment capable ajouter une transition. Avant d'aller plus loin, c'est qui ou une transition. Une transition, c'est permettre de capable dire et leur passer d'une image à une autre qui permettre péter et créer une animation ou permettre transition ça fait plus facile, plus fluide. Donc, sa transition, c'est n'a pas cherché moi dans des capables dit et dans bon sens li, une transition c'est des capables dit c'est une étape qui permet yo ou passer à une autre étape plus facilement, sans problème, avec plus fluidité, avec plus facilité. Si n'est capable essayer définir moi comme ça. Donc, c'est comme ça nous pas essayer ou comment capable ajouter une transition dans à depuis premier. Donc pour nous commencer, on va venir là, nous sommes sur montage là, on va aller en l'air là, on va aller dans effet. Et puis nous voyons que boîte de dialogue là il affiche à droite, mais boîte de dialogue ça nous capable de déplacer, nous mettre le côté nous voulons, OK, nous capable de déplacer, nous mettre là, mais on a quitté là. On a quitté là dans effet, nous capable de déplacer, laisser mettre le côté nous voulons, OK. On va essayer d'agrandir. Donc, nous allons déplacer le mettre le côté nous voulons, qui est plus pratique pour nous. Là, nous venons dans effet, nous allons aller dans effet vidéo d'abord. Nous avons préconfiguré, nous avons préconfiguration, nous avons préconfiguration de métrique, nous avons effet audio, nous avons transition audio, nous avons transition vidéo. Nous avons ouvert transition vidéo, nous avons cliqué sur cette flèche là. Et puis là, nous allons dans tout et type de transition nous allons bien. Et bien, tout effet vidéo. Ok, dans une transition, disons. Dans un effet vidéo. Ma venue dans la transition. La venue dans la transition, mon album est diaphragme, déplacement de flou, du plan, fondu, et page tournée, sens, trajectoire 3D, vidéo immersive, zoom, etc. Donc, moi, ça me besoin, c'est une transition fondu adaptif. Ma prefonctionne fondu adaptif ça m'a prend là m'a glisser li m'a mettre là. OK, si me fait plus sous clavier hein, moi transition dans li là et m'a essayer mettre même transition ça sous deuxième image là m'a glisser là et puis m'a mettre même transition sous troisième image m'a mettre là. Donc ça qui est important dans dans Adobe Premiere Pro, transition ça moi capable modifier longueur, OK, capable mettre le plus long si vous voulez, mais on capable mettre le plus capable dire plus court, OK, m'a mettre m'a réduit durée transition. Donc ça c'est capable dire ah j'ai sous durée transition disons de transition, OK, capable ajuster sous durée, OK, mettre durée là. OK, si me tourne dans montage et puis me fait play. OK, moi il fait transition. Donc c'est pas fluide.
c'est pas fluide. Donc moi-même si ma fait montage personnel son client m'a fait, c'est pour un travail que m'ta fait, m'ai pas mettre transition ça la donne. OK, nous avons transition, nous comme si gon effet si mettez. Nous avons ça fait là comme si imagine elle vient fondre dans l'autre là, c'est ça que nous avons son transition de fondu. Donc c'est comme ça capable ajouter des rap dit une transition dans une image sous Adobe Premiere Pro. Donc c'est sûr que soit pas ajouter un effet des rap dit effet et des rap dit une transition, c'est sûr que ou pour venir là ou pour chercher transition qui des rap dit qui adapté avec ça à faire, parce que j'aime toujours dire là c'est pas ça me faire, parce que mettre transition fondue ou doit mettre transition fondue dans montage que faire ou capable essayer toute transition ça yo. Et ça comme dit s'ouvre quand on fait montage, des fois les besoins prend temps pour entraîner, pour apprendre connaître le logiciel en bien, pour apprendre connaître tout effet, pour apprendre connaître des rap dit et raccourci clavier. Ça permet tout puis à l'aise et puis devant capable utiliser et des rap dit ça comme métier et puis peut-être pour amuser ou tout. Donc c'est ça qui est important pour nous essayer apprendre connaître tout des rap dit tout effet ça yo, par exemple dans fondu qui ça gagne la donne dans déplacement c'est qui ça gagne la donne et puis ou apprendre connaître en soi. Par exemple, yon équipe qui est champion du monde, yon athlète qui est champion du monde, soit des cap de natation, course, etc. Qui ça faut qu'on ait réussi, c'est parce que il est toujours prend temps pour entraîner. C'est entraînement qui fait des cap de tester différentes bagailles et permettre les jeunes des cap de yon rythme qui permet lui évoluer, qui permet lui une plus rapide, une plus bon que l'autre monde qui n'a course en tout, qui permet lui gagner. Donc pas gain secret dans rien qu'a fait dans vidéo, dans musique, peu importe, c'est toujours apprentissage, entraînement chaque jour et puis ou comment pour ça vous le faire. Là nous sommes ajouté effet transition dans vidéo. Quand nous gain possibilité pour nous ajouter là dans audio. C'est un avantage que des capable dit et Adobe Premiere Pro bail, c'est pour côté permettre ajouter des transitions là et audio. Là n'a venir nous parler dans transition audio. N'a venir faire fondu croisé. N'a prend gain constant. Nous dans fondu croisé gagne de la donne et puis en général dans transition audio pas gagne un paquet effet même avec transition vidéo qui gagne plusieurs options. Là nous gagne trois possibilités, nous gagne fondu exponentiel, nous gagne gain constant, nous gagne puissance constante. M'a prend puissance constante là, m'a glisser li, c'est même genre avec vidéo m'a mettre là. OK, si me fait plus m'a agrandi et timeline là. Moi là, j'ai possibilité pour m'agir sous durée. Donc, pour m'agir sous durée, pour me mettre les fait. Par exemple, là, et une importante transition audio, ça, par exemple, son ça différent avec ça. Eh bien, là, il permet de faire le passage de l'autre son, fait plus facile. Ou pas comme si nous avons dit boum, son en coupe, ou même quand vous regardez la vidéo, vous sentez que les coupé. Et montage vidéo en soi, c'est assemblage de vidéo, mais transition lui permet ou faire montage ou ajouter ça pour moun k'ap gade vidéo pas senti pas même rendre ni compte que ou met en transition. Souvent l'ap gade nos vidéo ou pas rendre compte que gagne en transition qui fait, ou pas rendre compte souvent de changement brusque qui fait dans image là, mais ou juste rendre compte de ou passer dans l'autre plan mais gagne transition souvent qui met là-dedans, gagne des transitions naturelles tout qui fait là-dedans. Donc faut pas oublier ça, des transitions qui naturelles ou pas obligé venir la choisir transition et transition naturelle yo fait exactement leur filmer image. Ça fait tout le monde les capable pour faire une vidéo, pour faire un film ou penser là avant, c'est pas leur commencer ou filmer ou dire on va faire film telle façon. Film n'a pas pensé à la base mais comment la fait. Et dans vidéo ça c'est concerne donc apprendre ajouter une transition dans une vidéo ou bien dans musique ou bien en bande son sous et Adobe Premiere Pro. So souhaiter que vidéo ça été utile nous et puis je dis à vous connait comment capable ajouter en transition dans Adobe Premiere Pro. Sans besoin tout monde bye n'a croiser pour l'autre vidéo côté que dans prochaine vidéo peut-être on va parler comment capable ajouter texte etc. Donc si y a question pas oublier poser question dans commentaire m'a répondre puis ou bien m'a faire un tutoriel pour m'expliquer pour me répondre à la question que vous posez. Bye bye tout le monde.